Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Wrestle Kingdom 13. Donc, je vous en avais parlé il y a deux jours, c'est le plus grand show annuel de la New Japan. Chaque année, ça a lieu le 4 janvier. Et donc, je vous avais présenté la carte lors de mes pronostics. Donc, on avait le droit à 10 matchs, un match lors du pré-show et 9 matchs pour la carte principale. Et donc, je vais vous donner les résultats du show et je vais revenir en détail sur certains matchs. Il y a quelques matchs où il n'y a pas grand chose à dire, donc cela je vais rapidement passer dessus. Mais par contre, il y a quelques matchs où je vais vouloir donner mon avis, notamment les 3 derniers matchs du show ou encore le match entre Ibushi et Osprey. Donc on commence avec le match du pré-show. Donc c'était un gauntlet match avec plusieurs équipes de 3 catcheurs. Et donc les vainqueurs de ce match avaient le droit à un match pour le titre par équipe à 6 le lendemain lors du show New Year Dash. Donc en fait ça a remplacé la bataille royale annuelle de la New Japan. Qui permet un petit peu à tous les catcheurs qui ne sont pas sur la carte principale d'au moins apparaître sur le show. Personnellement, par exemple, j'étais super déçu de ne pas voir Minoru Suzuki sur la carte principale, mais bon, au final, ce qui était cool, c'est que comme c'était un gauntlet match, les équipes rentraient les unes après les autres, donc tu avais quand même le temps de voir les catcheurs être mis en avant au moins un minimum. Et donc, au final, c'est l'équipe de Taguchi, Yano et Makabe qui ont remporté la victoire. Donc, voilà, rien de particulier à dire sur le pré-show, c'était une petite mise en bouche sympa. Ensuite, on passe à la carte principale et on a directement commencé avec un très gros match. Donc, le champion Never Open Weight Kota Ibushi contre Will Ospreay. Donc, comme je vous l'avais dit dans les pronostics, là on a deux des catcheurs les plus complets au monde. Et en fait, le problème que je vais avoir ce soir, c'est que je peux pas vous décrire les matchs en détail parce que voilà, à chaque fois c'est des matchs de 10 à 20 à 30 minutes. Donc, je peux pas vous expliquer exactement les prises qu'il y a eu, etc. Tout ce que je peux vous dire en fait, c'était à quel point c'était bien. Et en fait, plusieurs fois, je vais me retrouver à vous dire c'était génial, c'était incroyable et on va commencer avec ce match, ce match était tout simplement génial, on s'attendait je pense un petit peu à un spot fest avec beaucoup de high fly, mais au final je veux dire c'était un vrai combat avec de la violence, il y a eu beaucoup de coups assez stiff, et donc comme je l'avais dit dans les pronos, au final c'était un match complet c'était un showcase match j'ai envie de dire en fait de tout ce que ces deux catcheurs peuvent donner donc voilà moi en fait dans cette review je vais vous conseiller quelques matchs qu'il ne faut absolument pas rater et qu'il faut aller chercher en ligne pour les voir, et bien celui-ci c'est le premier allez sur Google, cherchez Kota Ibushi contre willow spray et vous vous verrez, ça vaut le coup. Je veux dire, t'as des souplesses, t'as des stompes, t'as des kicks dans tous les sens. C'est vraiment tout ce que tu peux vouloir voir dans le catch en fait en un match. Mais en plus je veux dire ils ont pas tout donné. Parce que forcément c'était le premier match de la carte principale. Mais ils ont quand même eu le droit à 18 minutes et ils nous ont raconté une très belle histoire. Et donc pour info j'avais pronostiqué Kota Ibushi qui conserve son titre. Mais au final c'est Will Ospreay qui a remporté le match avec son nouveau finisher le Stormbreaker. Donc nouveau champion Never open weight Will Ospreay. Et en fait à la fin du match Kota Ibushi a été placé sur une civière. Et apparemment il est allé à l'hôpital parce qu'il a subi une commotion cérébrale du Durant le match, et donc ce serait arrivé au moment où Will Ospreay lui a mis son fameux coup de coude par derrière. Qu'il met souvent en fait ces derniers temps, mais que je trouve vraiment dangereux à chaque fois qu'il le porte parce qu'honnêtement, en fait, il a pas l'air de super bien maîtriser le move. Il essaye en fait de faire un coup de coude qui a l'air stiff, mais qui est plutôt safe où tu frappes le dessus de la tête et en même temps tu claques sur ta jambe. Mais au final, là tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un coup de coude de toutes ses forces à la tête de Kota Ibushi et honnêtement, c'est stupide. Directement en fait, après Kota Ibushi était KO, donc tu vois l'arbitre qui va s'occuper de lui et tu vois Willow Spray qui essaie de lui donner quelques secondes. Et le pauvre, malgré tout, il a quand même réussi à terminer le match donc bravo à Ibushi et pour info d'après les premières nouvelles ce n'est rien de grave c'est une petite commotion cérébrale donc il sera très rapidement de retour on enchaîne avec le match pour le titre par équipe Junior Heavyweight, avec les champions Kanemaru et Desperado contre Sho et Yo, contre les membres de LIJ, Shingo Takagi et Bushi. On a eu le droit à un match très court en fait avec plein d'actions, tout simplement. Les lutteurs ont eu le droit à 7 minutes pour essayer de balancer un maximum de prises possibles, et au final comme je vous l'ai dit dans les pronostics, pour moi il était temps en fait de donner les titres par équipe à quelqu'un d'autre. Et donc je misais sur LIJ parce que je pensais que Takagi allait toucher sa première ceinture à la New Japan. Et c'est bien ce qu'on a vu hier lors de Wrestle Kingdom, c'est justement Takagi qui a a remporté la victoire avec son Last of the Dragon sur Show, Donc vainqueur et nouveau champion par équipe, Shingo Takagi et Bushi les membres de Los Ingobernables des Rappon. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Takagi a fait le tomber sur Sho, donc en fait ils n'ont pas fait le tomber sur les anciens champions par équipe Kanemaru et Desperado. Donc forcément en fait je pense que ça va mener à un match retour pour Kanemaru et Desperado. Ensuite le troisième match de la soirée c'était pour un titre qui n'est pas de la New Japan, c'était pour le British Heavyweight Championship de la REF Pro, une fédération anglaise. Et donc c'était un match entre le champion Tomohiro Ishii et Zack Saber Jr. Et donc ce qui est génial en fait avec Zack Saber Jr., c'est que ces matchs, c'est des petites histoires que tu peux pas t'empêcher de suivre du début jusqu'à la fin. Tu peux pas t'arrêter de le regarder en fait parce qu'il peut te sortir une soumission à n'importe quel moment, il peut te sortir un contre à n'importe quel moment et en fait il n'arrête pas les prises et les enchaînements. Donc vraiment, je veux dire, Zack Saber Jr., c'est ultra divertissant à regarder. A côté de ça, Tomohiro Ishii, un des meilleurs catchers strong style de la New Japan, un des derniers qui représente vraiment ce style selon moi. D'ailleurs, niveau Strong Style, il a eu un des meilleurs matchs de l'année 2018 selon moi contre Hiroki Goto, n'hésitez pas à aller le chercher sur internet. Et donc là, c'était un petit peu ça l'histoire du match en fait, la violence et la puissance de Tomohiro Ishi contre justement la technique et les prises de Zack Saber Jr. Et donc, Zack Saber Jr. a pas mal travaillé sur le bras de Ishii, et à la fin, en fait, il a réussi à le faire abandonner avec son octopus. Donc, vainqueur et nouveau champion British Heavyweight de la Rev Pro, Zack Saber Jr. J'espère qu'on va continuer à voir Zack Saber Jr. à la New Japan en 2019, et surtout qu'on va le voir de plus en plus monter, en fait, dans la carte. Parce que pour moi, Zack Sabre doit devenir Main Inventor au bout d'un moment. Il n'a pas forcément le physique en fait d'un Main Inventor, mais on va dire qu'il ne travaille pas non plus plus que ça sur son physique, parce qu'il est tellement parfait au niveau technique qu'il peut se permettre d'être un petit peu plus maigre que ses adversaires. Ensuite, on passe au match politique par équipe Heavyweight de la New Japan. Donc on a les champions Tanga Loa et Tama Tanga, les membres du Bullet Club, qui font face aux Young Bucks et aux vainqueurs du World Tag League, Evil et Sanada. Ce qui était un petit peu dommage en fait, c'est que comme c'était le dernier match des Young Bucks à la New Japan pour le moment, eh ben on n'a pas vraiment eu le droit à grand chose de la part des Young Bucks, et c'était pas vraiment l'adieu que je souhaitais voir des Bucks. D'ailleurs pour info, petit spoiler par rapport à New Year Dash, je vous le donne tout de suite, donc ceux qui ne veulent pas savoir couper le son une dizaine de secondes, en fait il faut savoir que aucun des membres de The Elite n'est apparu à New Year Dash. New Year Dash pour info en fait c'est le show qui est le lendemain de Wrestle Kingdom, c'est un petit peu comme le du lendemain de Wrestlemania. Et habituellement c'est là où on lance toutes les grandes rivalités pour l'année 2019 du côté de la New Japan. Et bien honnêtement ce show était ce matin et il a été plutôt décevant je trouve personnellement. On n'a pas eu de grandes surprises, on n'a eu aucun des membres de d Elite qui était présent. Donc ni les Young Bucks, ni Adam Page, ni Cody Rhodes, ni Kenny Omega... On n'a pas eu non plus d'intervention de Chris Jericho pour essayer de lancer une nouvelle rivalité. Au final, on a juste eu le retour de Yoshihashi. On a Jay White qui s'est imposé à la fin du show comme étant la personne à suivre en 2019. Et sinon, on a eu Suzuki Goon qui a défoncé L.I.J. Mais pour le moment, en fait, on n'a rien de bien croustillant, je trouve, pour 2019. Et donc là, moi, en fait, je vais surtout m'intéresser à un catcheur dans ce match c'est Sanada. Je vous avais déjà parlé un petit peu de Sanada l'année dernière, mais pour moi en fait c'est un des meilleurs jeunes lutteurs de la New Japan et je pense que c'est censé être une des futures superstars solo de la fédération. En fait, ce gars a le hit factor, je trouve, quand tu le regardes. Il a le look, il a la gueule et il a un certain charisme en fait que tu ressens même si tu comprends pas ce qu'il dit en fait. C'est naturel, quand tu le regardes, tu sens quelque chose. Et ce qui est vraiment cool en fait c'est qu'il y a une connexion entre lui et la foule. Dès qu'il commence une phase où il enchaîne les prises, et ben directement t'as la foule qui part en latte et qui est totalement derrière lui. Donc Sanada vraiment moi je mise dessus, je pense que ça va être une des futures grosses stars au niveau solo. Et au final justement c'est lui qui a géré la fin du match, et c'est lui qui remporte la victoire pour son équipe grâce à un moonsault sur Matt Jackson. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe Heavyweight, Evil et Sanada, également membres de LIJ. Donc à noter les titres par équipe Junior Heavyweight et Heavyweight sont tous les deux chez les membres de L.I.J. On continue avec le cinquième match pour le titre des états unis entre le champion Cody Rhodes et le challenger Juice Robinson. Et donc j'ai envie de dire qu'on a eu un match typique de Cody Rhodes, c'est pas forcément le match où il va y avoir le meilleur niveau in-ring mais par contre c'est une belle histoire bien racontée, c'est un match bien construit en fait. Typique des matchs NWA de l'époque j'ai envie de dire, et ça se sent qu'il s'inspire de cette période. Donc forcément c'est vraiment l'affrontement il-face, dedans tu vas avoir du drama, tu vas avoir des interventions, et là notamment c'est Brandy Rhodes qui a essayé d'intervenir, mais au final l'arbitre l'a renvoyé au vestiaire. Malgré tout, Cody Rhodes continue à dominer et il a d'ailleurs porté son finish le Crossroads, mais ça n'a pas suffi pour remporter la victoire. Et donc je vous parlais du finisher de merde de Juice Robinson dans mes pronostics, le Unprettier, l'ancien finish de Christian. et bien, il a dû le porter deux fois au final pour remporter le match. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, Juice Robinson. On continue avec le sixième match de la soirée, donc le match pour le titre Junior Heavyweight. Entre le champion Kushida et le challenger Taiji Ishimori. Et donc là, on a eu le droit à une des entrées les plus what the fuck que j'ai vues depuis très longtemps. Donc en fait, au début, il y a un petit enfant ou un nain, je saurais pas dire exactement, plutôt un enfant, je dirais, qui est arrivé avec la tête de Kushida. Donc honnêtement, c'était limite un petit peu effrayant. Je pense que c'était pas le but, mais au final, ça a effrayé pas mal de personnes. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Kushida a un petit peu la gimmick de Marty McFly du film Le Retour vers le Futur. Donc à ce moment-là, t'as quelqu'un habillé en doc qui est arrivé, et en fait, il a fait une petite expérience, et donc t'as le petit Kushida qui s'est transformé en grand Kushida, le vrai Kushida. J'en ai fait des cauchemars, moi, de ce mini Kushida, je vous avoue carrément. Et donc voilà, là, tout ce que j'ai à dire, c'est pour les personnes qui aiment, par exemple, 205 Live à la WWE, et qui aiment le style Cruiserweight ou Junior Heavyweight, jeter un coup d'œil à ce match. Pour voir ce que ça peut donner de Junior Heavyweight à la New Japan. On a Kushida qui est plutôt le vétéran, le sage, et à côté de ça on a Taiji Ishimori, le nouveau membre des Bullet Club qui en a rien à battre, et qui à côté de ça est vraiment une machine. Moi je vois ce mec comme une machine en fait, et au final il nous l'a prouvé parce qu'il a remporté la victoire avec son Bloody Cross. Donc vainqueur et nouveau champion Junior Heavyweight, Taiji Ishimori. Et donc il faut noter encore une fois un changement de titre. Et donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Maintenant on va passer en fait aux trois matchs qui étaient les trois main events de Wrestle Kingdom. Et honnêtement, je saurais pas comment décrire en fait la sensation que j'ai eue durant ce show. C'est comme si t'es dans un parc d'attractions et que tu viens de faire une attraction phénoménale. Tu penses qu'il n'y a rien de mieux qui est possible. Et là d'un coup, on t'emmène dans une autre attraction qui est 10 fois mieux. Et après ça, on t'emmène dans une autre attraction qui est encore 30 fois mieux. Et bien, c'est comme ça que c'est terminé Wrestle Kingdom 13. On a eu le droit à Okada contre Jay White qui était génial. Après, on a eu le droit à Chris Jericho contre Naito qui était phénoménal. Et après, on a eu le droit à Omega contre Tanahashi qui était tout simplement légendaire. Mais donc, comment Commençons par Okada contre Jay White. Donc l'histoire de ce match, c'est le jeune Jay White, celui qui en veut depuis un an, depuis qu'il a effectué son retour. Il proclame que c'est lui en fait le futur de la New Japan, c'est lui le futur champion du monde poids lourd. Mais à côté de ça en fait il prouve ce qu'il dit, car par exemple en 2018 il a eu de grosses victoires, notamment contre Kenny Omega. Et à côté de ça on a Okada qui a eu une année 2018 plutôt galère et qui en plus s'est fait trahir par son ami de toujours, Gedo. Et donc ce qui était très cool en fait c'est l'attention aux détails. Et c'est là qu'on voit à quel point la New Japan fait attention aux détails par rapport à leur personnage. Du coup là on avait vu un autre Okada ces derniers mois, un Okada qui ne faisait plus son entrée habituelle, qui arrivait avec des ballons, avec les cheveux rouges, qui n'avait plus sa tenue habituelle. Et là en fait hier c'était le retour du vrai Okada, avec sa tenue, avec sa musique, avec les billets qui tombent du ciel. Et en fait ce qui était génial c'est quand il est arrivé dans le ring et qu'il a enlevé sa robe. D'un coup il était dans son short habituel qu'il ne mettait plus depuis quelques mois car il était passé à un pantalon. Et ce qui était délire en fait c'est que son short a reçu une pop de la de la foule. Je pense que c'est la plus belle pop que j'ai vue depuis quelques mois, depuis la pop pour le chien de Cody à All-In. Et donc en fait, c'était tellement bien écrit parce que forcément, quand t'as le grand Okada qui est de retour, tu te dis que c'est impensable que Jay White réussisse à le battre. Parce que forcément, si la New Japan fait tout ça avec Okada, à ce moment-là, c'est pour lui donner une victoire, c'est pour dire que le vrai Okada is back. Donc en fait, il te mène vers ce chemin et justement, c'est tout l'inverse au final. Au final, il y a eu quelques interventions de Gedo durant le match, mais pas vraiment plus que ça. Au final, ça a été un vrai match. Clean entre Okada et Jay White, et justement, du coup, c'était encore plus choquant quand à la fin du match, Jay White a remporté la victoire de manière clean avec son Blade Runner. Il n'a même pas eu besoin de tricher, il a battu Okada de manière juste. Honnêtement, pendant quelques secondes, j'étais sous le choc parce que vraiment, tu t'y attendais pas. Tu pensais que Okada allait logiquement remporter le match parce que pour moi, en fait, il y a encore le temps de construire Jay White. Je veux dire, on peut lui donner de grandes victoires un peu plus tard, c'est pas non plus pressé quoi. Le type a 26 ans, il est incroyable pour quelqu'un de 26 ans, je veux dire regardez le niveau de Jay White dans le ring, regardez son physique, regardez son style, le gars est vraiment le total package déjà à 26 ans. Et logiquement il va faire que s'améliorer avec le temps maintenant. Mais la New Japan a l'air d'être pressée de mettre Jay White au top et du coup il a remporté le match. Donc vainqueur Jay White. Et d'ailleurs il faut noter que ce match hier soir était le seul match qui n'était pas pour un titre sur la carte principale. Donc personnellement je trouve que c'est intéressant dans le sens où je suis très curieux de voir ce que va faire Okada maintenant. Donc maintenant, l'avant-dernier match de la soirée, c'était le match pour le titre intercontinental entre le champion Chris Jericho et le challenger Tetsuya Naito. Jericho avait justement battu Naito pour ce titre il y a quelques mois, et donc là, c'était un petit peu la revanche de Naito. Donc pour info, c'était un match sans disqualification, un no-DQ match. Comme le match qu'avait eu Chris Jericho contre Kenny Omega l'année dernière. Et en fait, honnêtement, c'était une très bonne idée. Parce que ça nous a donné quelque chose de différent, en fait, hier soir. On venait d'enchaîner plusieurs matchs de catch. Des matchs pas forcément similaires sur le style. Mais en tout cas, c'était des matchs de catch pur et dur. Et là, on a eu le droit à autre chose. On a eu le droit à un petit peu de folie, un petit peu de violence. Et je pense que c'est ce qu'il fallait parfaitement entre le match Okada-Jay White et le match Tanahashi-Omega. Je pense qu'il fallait un match comme ça pour changer un petit peu. Et ça a fait du bien à la carte et à la foule. Et donc, encore une fois, Chris Jericho s'est surpassé. Vraiment, je veux dire, je pourrais le complimenter pendant 10 minutes. Parce que c'est incroyable de voir ce que le gars peut encore faire à 48 ans. En fait, il peut encore tout faire, tout simplement. Tout ce qu'il faisait quand il avait 25 ans, il peut encore le faire à 48 ans maintenant sans souci, et en plus sa psychologie ne fait que s'améliorer, donc il sait vraiment quoi placer et quand le placer. Comme il l'avait dit lui-même dans des interviews, c'est pas la peine en fait de prendre des risques inimaginables, c'est pas la peine de faire des prises qui vont risquer de te paralyser, ou alors d'utiliser des punaises ou des barbelés. Hier soir, ils ont utilisé des chaises, des candlesticks et de la violence pure et dure, et ça a suffi en fait pour emballer la foule. Et donc ce qui était marrant justement, c'était de voir Jericho vouloir enchérir durant le match. Donc à un moment il voit que ça ne suffit pas de se battre contre Naito, donc il sort du ring et il va chercher le candlestick. Mais à un autre moment quand il voit que ça ne suffit toujours pas, il ressort du ring et là il va chercher plein de chaises en fait. Il savait quoi faire à quel moment, c'était vraiment un match très bien construit. Et donc à la fin c'était une histoire de finish on a eu le droit au code breaker de la part de Jericho mais ça n'a pas suffi. Après ça Naito a également porté son code breaker à Jericho puis par la suite Naito a porté son finish, le destino, une première fois mais ça n'a pas suffi, du coup il a dû le reporter un peu plus tard, une seconde Fois pour remporter la victoire. Donc, encore une fois, un changement de titre, vainqueur et nouveau champion intercontinental Naito. Et encore une fois, en fait, félicitations à Chris Jericho parce que c'est tout simplement incroyable ce qu'il fait. Et donc, pour info, comme je vous l'ai dit, Jericho n'était pas non plus un Nuire Dash, donc pour le moment, il n'a pas de nouvelle rivalité à la New Japan. Mais en fait, à la suite de Wrestle Kingdom, il a déclaré lui-même dans une interview que son passage n'est pas terminé à la New Japan, loin de là, et qu'il souhaite affronter Hiroshi Tanahashi pour le titre poids lourd. Donc on verra si ça va arriver. Et donc maintenant on passe au main event, on passe à la perfection, j'ai envie de dire. Donc ce match, comme je vous l'avais dit dans les pronos, c'était le héros mythique de la New Japan contre, on va dire, la nouvelle idole des fans de la New Japan. C'est un petit peu le old school contre la new school, et c'est un petit peu le catcher qui est juste, qui est droit, qui veut toujours suivre les règles, contre celui qui est prêt à un petit peu briser les règles quand il le faut pour remporter le match. Et donc vraiment, en fait, moi dès le moment où la cloche a sonné, j'étais emballé par ce match. Comme je vous dit dans les pronos, honnêtement, je savais pas forcément qui allait gagner. Donc oui, j'avais misé sur Tanahashi, mais honnêtement, j'en étais pas persuadé, et j'espérais même au fond de moi voir une victoire de Kenny Omega, car selon moi, en fait, au final, le règne de Kenny Omega, la New Japan, n'aura pas été phénoménal. Alors qu'on avait tous attendu ça pendant plusieurs années, quand il a eu le titre, au final, la New Japan était trop occupée avec d'autres rivalités et d'autres catcheurs, notamment Okada et Tanahashi. Donc comme ils ont passé leur temps à rebuilder Tanahashi et à changer, en fait, Okada, au final, ils ne sont pas préoccupés vraiment de Kenny Omega, je trouve. Personnellement, est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il va quitter la New Japan? Peut-être. Et donc voilà, je vous ai parlé plusieurs fois d'histoire durant cette review, des catcheurs qui racontent une histoire. Et bien ce match décrit vraiment exactement ça. En plus, je veux dire, ça aide beaucoup quand vous connaissez le passé de Tanahashi et Omega, forcément. Et ça, c'est ce que j'explique aux fans. Forcément, plus vous allez regarder une fédération, plus vous allez l'apprécier parce que vous allez apprendre à connaître les rivalités et les catcheurs. Donc c'est clair que quand tu te lances dedans, au début, tu es un petit peu perdu, mais il faut persévérer. Et donc ce match, vraiment, c'était une histoire. C'était écrit, c'était construit et c'était parfait. Entre les catcheurs, qui vont se battre à l'extérieur du ring. Kenny Omega qui jette Tanahashi sur une table, puis qui porte un moonsault des barrières sur Tanahashi. Franchement, c'était tellement bien fait. Ensuite, c'était stiff. Je veux dire, les échanges de coups entre ces deux-là dans le ring, franchement, c'était incroyable. La force des Atemi déjà, c'était tellement fou. Et à côté de ça, à un moment, on a eu un échange de baff entre Tanahashi et Omega. Mais honnêtement, les gars doivent avoir tellement mal aujourd'hui, ça doit être fou. La violence des coups de genou et des multiples V-Trigger de Kenny Omega. Encore une fois, c'est tellement impressionnant, ça claque. C'était vraiment un combat, quoi, je veux dire, c'était des gladiateurs. C'était à toi, à moi, on donne tout ce qu'on a, mais on continue à se relever. Tu vois Kenny Omega qui porte une souplesse à Tanahashi en plein sur sa nuque, et Tanahashi qui se relève directement derrière en mode donne-moi-en encore. Donc voilà, comme je vous l'ai dit par exemple pour le match entre Ibushi et Osprey, mais là par contre c'est puissance 1000, cherchez ce match et trouvez-le, regardez-le. Regardez-le pour vous donner une idée en fait de ce que c'est un main event de la New Japan et vous me direz ce que vous en pensez après. Personnellement, moi, tous ceux qui sont des haters de la New Japan, je les écoute même pas, je n'y réponds même pas en fait parce qu'il y a trop de fans qui sont en mode moi je suis fan de la WWE donc j'aime que ça. Et bien, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est dommage pour vous en fait. Dommage pour vous de vous priver de richesses tellement géniales. C'est bête en fait que de se fermer à autant de choses. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est comme dire moi j'aime une série donc je vais regarder qu'une série toute ma vie. Ou alors moi, il y a 10 000 films sur Terre, et ben moi, j'ai regardé un film, il m'a plu, donc je vais regarder ce film toute ma vie. Je vais dire que c'est le meilleur et je vais le défendre toute ma vie. Honnêtement, c'est bête en fait. Il faut s'ouvrir, je veux dire, au monde et il faut s'ouvrir aux autres fédérations. Je veux dire, si tu es un vrai fan de catch, et eh bien logiquement, tu voudrais avoir le plus de catch possible et tu serais curieux de voir les autres types de catch qui existent à travers le monde. Comme je l'ai déjà expliqué, la WWE c'est super et personne ne dit en fait qu'ils ne seront pas toujours numéro 1 car clairement ils le seront. Mais par contre, laissez tranquille les fans qui veulent voir autre chose et moi je vais le dire clairement, je vais l'affirmer. Croyez-moi que ces fans ont raison, donc voilà, c'est simple. Un conseil que je peux vous donner faites preuve d'ouverture et de curiosité, quoi. Donc voilà pour info ce match a duré 40 minutes et c'est un chef doeuvre C'est tout ce que je vais dire. Je vais pas vous décrire toute la fin du match parce qu'il se passe trop de choses en fait. Il se passe trop de choses pour vous décrire le match, c'est juste phénoménal. On a eu le droit à plein de retournements de situation et au final, Tanahashi a réussi à porter à nouveau son Sling Blade puis son High Fly Flow. Pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion de la New Japan, Hiroshi Tanahashi. Et honnêtement, un match magnifique de la part des deux catcheurs. Si c'est le dernier match de KD Omega à la New Japan, eh bien il peut être fier parce qu'il part sur une note incroyable. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment choqué par rapport à ce show, en fait, c'est que c'est passé vraiment très rapidement. J'arrivais pas à croire qu'on était déjà au main event quand on y est arrivé, et pourtant c'est un show qui a duré 4 à 5 heures. J'en attendais beaucoup, et honnêtement, j'ai été servi. C'est ça, moi ce que j'adore avec la New Japan, c'est que t'as de tout, t'as tous les styles. T'as du high fly, t'as des luchador, t'as du strong style, t'as du côté technique, t'as le côté stiff, t'as vraiment de tout en fait et du coup lors de Wrestle Kingdom tu vois tout ce qui est bien dans le catch donc personnellement comme je vous l'ai dit je vous conseille vraiment Ibushi contre Osprey et les trois derniers matchs du show il faut voir absolument les trois derniers matchs du show je vous donne pas les résultats de New Year Dash mais honnêtement comme je vous l'ai dit il n'y a pas eu de grande surprise durant le show je vous laisse voir ça par vous-même et donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne j'essaierai de faire de plus en plus souvent en fait des reviews par rapport à la New Japan et également d'autres fédérations donc dites-moi ce que vous en pensez et donnez-moi votre avis sur Wrestle Kingdom dans les commentaires on se retrouve demain pour un unboxing Woodbox avec une super promo sur la box de janvier et potentiellement des news WWE. Ciao tout le monde